les Indestructibles, ils ont insisté et on a insisté pour qu'ils soient avec nous ce soir. Applaudissements pour eux! Luca Pano! Eh, merci d'être là, les gars. Voilà, et qui... Ah, alors, je vois qu'il y a... alors, bon, Jérôme Fernandez est équipé, il est équipé, Daniel. Alors, c'est... Comment ça va, toi? Très bien. Alors, c'est lui qui chante dans les vestiaires, hein? Ouais, j'essaie de mettre un peu l'ambiance. Ouais. Écoute-moi bien, je t'entends encore une fois chanter, je te mens. D'accord, ça marche. Non, on va regarder, parce que regardez ce qu'ils font dans les vestiaires. On est heureux de les avoir, parce que ce sont les plus grands champions, je vous le dis. Cyril, est-ce que vous pouvez prendre juste un marchepied? Oui, c'est vrai. J'en ai rien à foutre, je monte sur la table. Ça va casser. Bien sûr, je vous l'ai déjà dit. Hein. Pour la coquille, attention, eh, ça bouge cette merde. Ah, fais gaffe. Au milieu. Fais gaffe. Ah, la mienne. Voilà. Donc là, on fait moins les malins, les gars. Hein, on vient moins ouvrir sa gueule sur mon plateau. Hein? Eh ouais, les gars. En tout cas, je voulais vous dire, vous êtes, c'est vrai, je le dis, les plus grands champions de tous les temps. Qu'est-ce que ça vous fait d'être aussi énorme? Non, mais sans rigoler, parce que vous ne vous rendez pas compte. J'étais avec vous dans la loge, il parlait tranquillement. Champion olympique, champion d'Europe, champion du monde. Il y a quoi maintenant? Il y a quoi, Daniel? Champion de touche pas à mon poste. Eh ben vous êtes les champions. Daniel, on a juste la médaille. On a la médaille. Et je te la rachète tout de suite. Combien tu mets? Combien je mets? Allez, tu sais quoi? À 25 euros, je pars direct avec la médaille. Voilà. Regardez ce qu'ils faisaient dans les vestiaires. Regardez-les. Il la connaît par cœur. Pan. Tiens, on va se faire un mic à l'émission. Avec Carmen. Oh, ça va être lourd. Pan, je lui mettrai bien une cartouche. Pan, je lui mettrai bien une cartouche. Pan, je lui mettrai bien une cartouche. Je ne suis pas chasseur, mais je lui mettrai bien une cartouche. Alors, les chéris, on a une surprise pour vous. Parce qu'on vous a fait une chanson spécialement pour l'équipe de France de handball. Vous aimez les cartouches? Vous aimez les cartouches? Eh bien, il est là avec nous ce soir, Sébastien Patoche, pour vous! Salut tout le monde! Salut la compagnie! Comment ça va, bordel de mer? Ah, c'est génial! Salut à toi! Regarde-moi ça, mais c'est magnifique! Respect éternel! Oh là là, les gars! Oh là là, vous pouvez pas savoir, j'étais sur la béquille tout le week-end. Oh là là, je vous jure, mais c'était la place de la Concorde dans mon slibar. Oh là là, c'était tellement bien. Oh, alors, qu'est-ce qu'on leur a mis aux Danois? Alors, vous avez fait... Oh, j'aimerais pas être Danois. Mais vous êtes un petit peu Danois avec la coupe, là. J'ai des origines. Ouais, je suis de la Côte d'Opale, en fait. Alors, vous avez fait une chanson expressément pour les handballeurs, pour les champions. Exactement. On y va. C'est pour vous, j'ai vous également. Écoutez bien. Il va y avoir un peu d'émotion. Ah ouais, c'est vrai. Alors, non, on a pas besoin de se tirer les poils du cul. Excusez-le. Allez-y. Allez, musique. Allez, c'est parti. C'est un piano, ça. C'est pour vous. C'est une bande de mecs à la carrure de déménageurs. Non, c'est pas des couilles molles, c'est des handballeurs. Quand ils se pointent à l'entrée du vestiaire, l'équipe d'en face refait le crépi dans les sanitaires. Si tu les aimes pas, si jamais tu les siffles, ils t'envoient aux urgences juste avec une bifle. On aurait dit que les Danois jouaient tous en babouche. Tellement les indestructibles leur ont mis une cartouche. On y va doucement. Pan, ils leur ont mis une cartouche. Pan, ils leur ont mis une cartouche. Ah, c'est beau. Pan, ils leur ont mis une cartouche. Ils sont pas chasseurs, mais ils leur ont mis une cartouche. C'est beau quand même le sport, hein. J'aime bien, c'est en mode piano. C'est mignon, mais là on repart là. Allez, c'est parti là. Allez, tout le monde.
chaussettes, je peux me faire un sac de couchage. Je suis sûr quand ils pètent, ils font un trou dans le carrelage. Tous leurs adversaires tombent comme des mouches et ils rentrent chez leur mère parce qu'ils leur ont mis une cartouche. Allez, pan, 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 ils leur ont mis une cartouche. Allez, pan, 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 ils mettraient bien une cartouche. Allez, pan, 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 j'en mettrais bien une cartouche. Ils sont pas chasseurs, mais ils leur ont mis une carte. Allez la France, allez, allez. Bon, bon, bon. Bon, bon, bon. Allez, faites péter les cotillons. Merci la France. Merci les gars, mais du fond du cœur. Merci. Hey. Magnifique. À très bientôt. Et encore les gars, bravo. Du fond du cœur, salut à tous. Magnifique. C'est chaud, hein. Y a qu'ici où vous pouvez faire ça, hein, je vous le dis tout de suite. Ah, y a une pioche. Ouais. Y'a qu'ici qui peuvent faire ça. C'est pareil, Sébastien Patache. Il est où? Ici. Il est où? Les gars, on va faire un petit jeu. C'est pas grave, c'est un micro. On va faire un petit jeu. Thierry Omeyer, il est là. Thierry, tu vas venir avec moi. Je vais essayer de te mettre un tir. Sur trois possibilités. C'est pour ça que j'ai une coque. Si j'en mets pas un, j'irai au cage. Et vous ferez ce que vous voudrez. Vous ferez plaisir. C'est parti. Il mettra un tir, il va venir.